Votre 12-13 se poursuit avec notre édition spéciale Une journée en aura en direct du Royal avec Fabien Gondillon et Le Soleil. Et oui, bonjour, bienvenue à Uriel. Il y a une quinzaine d'années, les élus de ce territoire de l'Allier ont décidé d'en faire un village d'artisans d'art. Ils ont mis en place une politique d'accueil spécifique et depuis les ateliers ont fleuri. Les artisans sont aujourd'hui une quinzaine dans le bourg et aux alentours. Il y a une costumière, un verrier, une marionnettiste, un restaurateur d'œuvres d'art et bien d'autres encore. Mais d'abord, avant d'aller les rencontrer, nous allons faire un petit portrait de ce village d'Uriel avec Aurélie Albert et Marie-Lou Robert. Le village d'Uriel est situé à quelques kilomètres de Montluçon, en plein cœur du bocage bourbonnais et à quelques kilomètres du Limousin et du Berry. Il fait partie des 14 communes de la communauté d'agglomération du pays d'Uriel. Il se compose de plus de 2700 habitants et sa population est essentiellement ouvrière et agricole. Uriel est une ancienne cité médiévale, un lieu militaire et stratégique. Les traces de son histoire persistent grâce à deux monuments emblématiques, le donjon de la Toque et l'église Notre-Dame, ancien siège d'un prieuré bénédictin. Les deux monuments datant du XIIe siècle. Le village d'Uriel est marqué par l'art et la culture. D'abord avec Georges Sand, qui offre le nom d'Uriel à l'un de ses personnages dans son célèbre roman « Les maîtres sonneurs ». Et enfin, il y a surtout les artisans d'Uriel. Ils offrent au village le label « Ville et métier d'art ». Et justement, un des artisans d'art d'Uriel, c'est vous Magali Bécard, bonjour. Bonjour. Vous êtes costumière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste? Alors oui, je suis créatrice costumière, donc je crée des costumes pour le spectacle, le théâtre, les comédies musicales, les particuliers, des robes de mariée, enfin tout ce qui touche au tissu. Alors quel genre de costume vous créez? Alors beaucoup de costumes théâtraux, donc des trucs assez shakespeariens, des choses originales, futuristes, modernes, mais aussi toute époque. Donc je m'inspire beaucoup du 19e, du mystérieux, du romantique. Voilà. Alors, vous créez pour des comédies musicales parisiennes, pour des théâtres parisiens, et pourtant Vous avez choisi de vous installer à Uriel. Oui. Pourquoi? Alors tout simplement, c'est le destin. Je me suis retrouvée ici par hasard et puis je suis tombée amoureuse de ce petit village. Et la rencontre avec tous les artisans, je me sentais un petit peu moins seule que dans mon petit atelier. Vous pouvez nous décrire un petit peu votre travail? Qu'est-ce qui est difficile dans un ouvrage comme celui-ci? Alors, dans celui-ci, il y a beaucoup de dentelles, de finitions, mais il y a le jupon aussi, donc la crinoline. Ensuite, il y a le travail du corset, baleiné, lacé, et tout ce qui est accessoires, manches, bijoux, chapeaux. Vous faites tout vous-même? Tout. Je dessine, je choisis les tissus, je confectionne et je crée. Eh bien, merci Magali. On va aller voir maintenant un de vos collègues, un autre artisan d'art de cette ville d'Uriel. Il s'appelle Josserand Pinon, il est artisan verrier. Vous allez voir, il fait des vitraux magnifiques. C'est un reportage d'Aurélie Albert et Marie-Lou Robert. Seul, le bruit du marteau vient troubler le silence de l'atelier. Imperturbable, le regard fixé sur son ouvrage, Josserand Pinon est en pleine restauration. Il faut faire attention, c'est surtout parce que le plomb est très malléable. Donc si on veut faire quelque chose de joli, il faut essayer de manipuler le plomb avec douceur, on va dire, pour éviter de lui faire des plis qui ne seraient pas très, très jolis, quoi. Pénétrer dans l'atelier de Josserand, c'est entrer dans une mine au trésor, des trésors ou plutôt des vitraux. La bâtisse lui vient de son père, tout comme sa passion. Tout petit, moi j'ai toujours baigné dans cette atmosphère et donc je venais régulièrement le voir travailler et donc ça m'a donné le goût et puis l'envie de commencer à dessiner, à peindre, à démonter des petits vitraux. Depuis 39 ans, cet enfant du pays est maître verrier. Il crée, mais surtout il restaure les vitraux des églises. On essaye de retrouver, de rechercher donc... Retrouver des techniques anciennes, de rechercher un petit peu comment le vitrail avait été créé à l'époque. Et puis après, c'est tout le côté remise en état, remettre un vitrail abîmé, le remettre en place et une fois restauré, c'est quand même une belle satisfaction. En France, ils sont plus de 1000, comme Josserand Pinon, à être, comme on les appelle, des semeurs de lumière. De retour ici, au pied de la Toque, donjon du XIIe siècle qui domine ce village d'Uriel. Avec vous, bonjour Michel Tabutin. Bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes du pays d'Uriel. Depuis quand? Depuis 2001, depuis sa création.
C'est donc vous qui avez eu cette idée du village d'artisans d'art ? Voilà, les élus du territoire, on a pensé que ça pouvait être une piste de développement économique intéressante. Une piste liée à notre histoire, ça a été dit tout à l'heure, liée à Georges Sand aussi, pour laquelle les arts étaient primordiaux. Et donc, pour nous, c'était l'occasion de refaire vivre les boutiques du centre-ville d'Uriel, et puis d'accueillir de nouvelles personnes, de refaire vivre ce village. Oui, parce que ces boutiques, elles étaient fermées, c'est ça ? Celles dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les artisans ? Ben oui, certaines étaient fermées. Il a fallu les réouvrir, rénover les maisons, maîtriser l'immobilier. Ça n'a pas toujours été simple. Alors pourquoi vous avez choisi ce chemin des artisans d'art plutôt qu'une autre activité économique pour redynamiser ce territoire ? Ben, on n'est pas un territoire forcément tourné vers l'accueil de grandes entreprises. Et il nous a semblé que c'était plus intéressant d'accueillir de nombreuses petites entreprises et surtout de créer un esprit dans cette ville, de parfaire l'attractivité de ce village. Et la preuve, c'est que vous êtes ici aujourd'hui. Donc ça veut dire que quelque part, 13 ans après, puisqu'on a accueilli le premier en 2004, 13 ans après... Alors c'était des luthiers au départ qui sont venus, les premiers. Oui, c'était un couple de jeunes luthiers. C'était en lien avec la musique trad de Georges Sand et les sonneurs. Et comment vous les avez attirés concrètement ici ? Alors comment on les a tirés ? Ben, on a déjà créé le lieu en rénovant une maison, en préparant l'atelier. Et puis on a un couple de gens originaires d'Uriel qui sont allés à l'école de Mirecourt et qui nous ont trouvé ces deux jeunes luthiers et ils se sont installés ici. Alors on va regarder ce qu'en pensent les habitants d'Uriel. Maxime Von Dudendijk et Claude Fallas sont allés leur poser la question mardi dernier sur le marché. Nous sommes dans le centre-bourg d'Uriel. Nous en profitons pour aller à la rencontre des commerçants et des habitants du village pour savoir ce qu'ont apporté les artisans qui se sont installés ici. Suivez-nous. Bonjour. Bonjour. On a besoin d'un expert d'Uriel. L'installation d'artisans d'art à Uriel change lentement les choses. Plus on est d'artisans, de commerçants, voilà, plus il y a de savoir-faire sur un village, sur nos petits villages de campagne, mieux c'est, on va dire. Et c'est vrai que ça nous a emmené des fêtes. On a la rencontre des arts qui se fait depuis quelques années. On a beaucoup d'artistes dans les rues. Voilà, et on a une émulation autour de ces gens-là, quand même. Il y a plus de promeneurs, bien sûr. Ça donne un petit peu de vie. C'est bien. Tant mieux si ça apporte quelque chose à Uriel. Pour nous, franchement, on le voit pas, quoi. Village d'art, oui, moi je veux bien, hein, mais bon. C'est pas ce qu'il nous faut, Uriel. Qu'est-ce qu'il faudrait alors ? C'est les moyens de transport. Parce que Uriel, vous avez plein de personnes âgées qui n'ont pas moyen, pas de possibilité de se déplacer. Et c'est pas en obligeant les gens à rester à Uriel parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport qu'ils vont vivre plus dans leur pays. Hein. Il faut du boulot. Et du boulot, on n'en a pas. On a des beaux espaces verts. On a plein de belles choses comme ça, mais du boulot, on n'en a pas. Bah là, il y a un marché, mais bon, il faudrait qu'il y ait plus d'animation pour pouvoir attirer des commerçants. Bah, allez, on va y aller. Ah, quelle vie, Maurice. Michel Tabutin, le boulanger nous dit, c'est bien, plus on est de fous et plus ça fonctionne. Certains habitants sont plus dubitatifs. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, bien sûr, on ne fait jamais l'unanimité lorsque l'on porte une opération comme ça. Mais il faut se dire que c'est un travail, une démarche à long terme que l'on a engagée. Il y a 13 ans que l'on a commencé, on vient d'avoir la reconnaissance ville et métiers d'art. C'est déjà une première étape, mais la route continue. Maintenant, il nous faut créer des animations, il nous faut créer une boutique où les gens puissent vraiment acquérir les produits. Parce que les artisans ne sont pas forcément tout le temps dans leurs ateliers. Et non, déjà, ils travaillent dans leur atelier, mais il faut aussi qu'ils commercialisent leur production. Et donc, ils parcourent la France et puis ils sont aussi beaucoup sur Internet pour commercialiser leur production. Donc, on a encore du chemin à faire. Et ce chemin, on veut aussi le faire avec de nouveaux artisans. On est prêt à accueillir de nouveaux artisans d'art. Vous avez des candidats en ce moment ? On a un joaillier en ce moment sous le coude, mais on continue et on est prêt à s'engager là-dessus. On a une boutique de gestion qui accompagne gracieusement les créateurs, de façon à ce que leurs projets soient aussi économiquement viables. Vous les aidez économiquement aussi ? Voilà. Et puis, on a bien sûr des conditions d'accueil dans les locaux et autres qui leur sont favorables. En termes de tourisme, vous avez pu mesurer des retombées déjà ? Alors c'est difficile à mesurer des retombées. La communauté de communes a pris la compétence tourisme il y a assez peu de temps et fait vivre le point info touristique que l'on a ici au centre-bourg. On a de la fréquentation, à la fois dans la visite des sites, mais aussi dans les ateliers. C'est un travail de long terme qu'il nous faut poursuivre et on a besoin de tout le monde pour ce travail-là. Alors vous m'avez dit tout à l'heure que vous vouliez lancer un appel.
Oui. Alors dites-moi. Ben, on lance un appel à tous les artisans qui cherchent un village où ils seront accueillis, où ils vont être en réseau. Quels sont les critères ? Où il va y avoir des manifestations. Les critères, c'est d'être vraiment des professionnels. Hein, nos artisans actuels participent à l'accueil des nouveaux et sont assez exigeants sur le professionnalisme et l'originalité des accueils. Il faut s'investir. Il faut s'investir. On n'est pas ici tout seul dans un village. On fait partie d'un réseau. Et ce réseau-là, la communauté de communes le fait vivre, mais l'association des artisans d'art aussi. Et c'est très important, je crois, que les gens ne soient pas isolés. L'accompagnement existe. Nous avons créé toute une signalétique avec des potences vers les boutiques, etc., pour que vraiment ils soient dans un contexte favorable pour créer leur activité et la développer. Merci Michel Tabutin d'avoir été notre invité dans cette matinale à Uriel. C'est d'ailleurs la fin de cette matinée que nous avons passée depuis 9h50 ce matin ici dans le jardin du donjon de la Toque, dans ce petit village de l'Allier. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis, communes, communauté de communes. Merci aux équipes techniques et à très bientôt dans un jour en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous.